Cyril Hozamézian, est-ce qu'il faut taper plus fort sur les entreprises françaises qui continuent leur activité en Russie? En réalité, on ne va pas pouvoir faire de manière immédiate parce que certaines ont des contrats. On l'a vu avec Total. Total ne peut pas se désengager des contrats qu'il a signés. Donc, vous trouvez, vous aussi, que Yannick Jadot, c'est ridicule, par exemple, ces accusations? Non, mais accuser, en fait, un grand groupe, en fait, de complicité de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, c'est ridicule. Mais on voit quand même qu'il nous faut systématiquement une crise, une guerre pour repenser notre politique. Là, on parle d'indépendance énergétique, mais ça a été le cas lors de la crise du Covid. On s'est aperçu qu'on n'avait plus d'industrie. Mmh. Et puis là, on s'aperçoit qu'on n'est pas assez autonome. Donc effectivement, ça devra se construire sur un temps long, mais on a tellement raillé la question écologique et la question de l'indépendance, en fait, énergétique, qu'effectivement, ben là, on est un petit peu coincé. Et puis, la réalité, c'est que aujourd'hui, là, immédiatement, on ne peut pas mettre en difficulté notre partenaire privilégié qu'est l'Allemagne, et au vu du prix des énergies actuellement, on flamberait, en fait, nos factures, et aujourd'hui les Français ne sont pas en capacité de l'encaisser.